Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, on continue l'aventure du jeu. Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Ouais, arrêtez de m'embêter, je dois beaucoup me concentrer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ici à ce que je vois, savez-vous à quoi servent ces câbles? Si ce n'est pas le cas, je veux bien vous expliquer pour 5G. Tiens, voici. Par contre, par ici, c'est 5G. Vous avez payé 5G. Alors, je vous explique. Ce câble descend jusqu'au quai et un second câble est également relié au temple. C'est un raccourci pour rejoindre les quais. Ça va beaucoup plus rapidement qu'à pied. La sensation est incroyable. Le seul problème, c'est que ça ne fonctionne que dans un sens, à cause de la gravité. Vous voyez? Incroyable. C'est parti, bonne descente. Je vais faire ce que je peux vous faire pareil de votre côté. À vrai dire, ces chances de survie sont quasiment nulles. Mais il ne faut pas perdre espoir avant d'avoir tout essayé. Ne perdez pas espoir, nous allons tout faire pour la sauver. Il est comme le vent. Oui, avec plaisir. Ok, c'était juste ça.
À la une, à la deux, attention au départ. Êtes-vous prêt à y aller? Oui. C'est sûr, venez pas me dire que vous voulez revenir après, quoi. Faut bien réfléchir, alors c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez, on met les voiles. Tout le monde à bord. Hey! Qui vous a autorisé à accoster ici? Repartez immédiatement. Et on se calme, on a volé la place de personne, quoi. Et puis, il n'y a pas d'autre bateau à amarrer ici. Ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que. Tenez, prenez ça. Je n'aime cette pâle épaule de vin. Cette odeur délicate et cette texture. Ça doit être la célèbre boisson des draconiens. Le feu du dragon. J'ai plus vu ça, alors j'en ai piqué dans la cuisine de ma mère. Bon, je suis arrivé à accoster ici exceptionnellement. Et je serai pas aussi coulant la prochaine fois si ça arrive. Vous en faites pas, je vous rapporterai encore. Parfait. Tu es rapide à la détente pour un gamin. Si vous vous dépêchez pas, cette fille va mourir, quoi. Vous y arriverez pas tout seul. Vous ne voulez pas que je vienne avec vous? Le chasseur rejoint temporairement votre équipe. Le concert est annulé et Turbo est vraiment bizarre. Franchement, j'ai envie de plier les bagages et de partir de temps mineur. Je vais m'absenter quelques temps, ne t'en fais pas, je reviendrai une fois cette histoire réglée. Je n'irai pas te chercher cette fois. Nous ferons de notre mieux. Je vais m'absenter quelques temps, ne t'en fais pas, je reviendrai une fois ce soir réglé. T'inquiète, le concert est annulé pour l'instant, de toute façon. C'est toi, Turbo, je suis la future femme. Et tu es l'homme de ma vie, ravi de te rencontrer. Oui, Turbo est trop cool. Dans Turbo.
Tout bon, on n'a pas eu de chance cette fois. Le concert a été repoussé jusqu'à nouvel ordre à cause de cette infraction dans le manoir Rufield. Mais qui a pu faire une chose pareille? C'est vraiment pénible. Je regarde ma mère toute la journée, j'en viens de me demander où elle s'arrête, où elle commence. J'essaie de vivre à ma manière, mais peut-être que je suis laissé dériver piégé par des courants côtiers. Qu'en pensez-vous? Je pense à rien, mon monsieur. Je pense que la flamme brûlée est une sorte de royau, de joyau. On a déjà tout vu ça, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il est venu à la queue de dragon, notre maison est ouverte et les bagarres sont interdites. Venez du bon temps, amusez-vous. Vous êtes des voyageurs, c'est ça? Ça se voit de votre allure, alors que pensez-vous de tourner là? On accueille les voyageurs à bras ouverts dans ce port. Là, dans cette ville, c'est les habitants qui soient ici à l'année ou juste au passage. Chef, encore vous ne mangez que ça, vous devriez essayer d'autres plats. Qu'est-ce qui vous amène dans notre paisible villagier? Il n'y a pas grand-chose à faire, mais vous pouvez vous détendre et rester un peu. Non. Allez. Hein? Vous dites que vous êtes à la recherche d'une hirde? Vous ne savez pas qu'elle est disparue depuis des années, vous n'en trouverez aucune dans l'île Nido aujourd'hui. Vous vous demandez comment ça a pu arriver, regardez autour de vous. L'écosystème a été saccagé, à la place de l'eau pure, il n'y a plus que des mares d'acide. Cette forêt autrefois luxuriante est aujourd'hui complètement stérile. Papa. Allez, attaque! C'est lent! De protection, l'eau toxique de sa mère ne vous posera aucun problème. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un paquet de monstres ici, alors réfléchissez bien avant d'y aller.
Ça va, Caribou? Tout a l'air vachement plus toxique qu'à l'entrée des marais. Les plantes ont dû muter, quoi. Chef des explorateurs, c'est vraiment le rêve de travailler si près des véritables merveilles. D'ailleurs, vous connaissez cette île lointaine qu'on appelle le Havre du Gaïa? Non, pas du tout. C'est une île cernée de falaises au sud de l'archipel de Nido. On raconte que personne n'aurait jamais posé les pieds dans la forêt primaire, qui se trouverait une nouvelle terre à explorer, j'adore. Ok. Si vous voulez vous en penser dans la forêt, vous devez porter un équipement adéquat et le moyen de contrôler ces plantes bizarres. Ok, mais je m'enfonce vers où, putain?
Camponotus, what's up? Camponotus 62, ça va? T'as déjà joué à ce jeu? Camponotus. Ça fait rien. Hey Zéo, what's up? Ça va? Ça fait rien en tout. Voyons. Ça fait en moins de points, eux autres. Chance de sauvegarder. Je n'ai même pas tué un, c'est comme 150 coups d'oreille dessus. Wow. N'importe quoi. Ça va, merci. Je me demande ce que...
Oui, ça, c'est nouveau, ça. Il y a des années, cette cascade était considérée comme sacrée par des fidèles servants de dragons divins. Puis les hordes humaines sont venues coloniser ces îles et nous avons dû migrer vers les régions limitrophes. Lors du bouleversement culturel qui s'est opéré par la suite, la portée plus spirituelle de ce genre d'endroit est rapidement tombée en oubli. Au bon vieux temps, beaucoup de mes amis et d'autres servants comme moi venaient ici pour prier. Il y avait de l'animation, surtout durant les périodes de festivals, comme ces jours de manque. Puis comment était la journée au travail? C'est où? Premier arrivé, premier servi, nous sommes arrivés en premier. Ok. Nous pouvons laisser passer personne jusqu'à la fin de notre expédition. Hé, hey, capitaine, vous avez trouvé quelque chose? Nous ne pouvons pas laisser... Ah ouais? Plus bergère. Allez, relax. Profite. Bon. Tu prends pas des pantoufles, toi, par hasard? Sur où aller. Je n'ai pas réussi à faire de grosses prises depuis bien longtemps. J'ai déjà tout lu ça. J'ai déjà lu ça aussi. Ben, il y a un endroit où ça glisse. Je pensais peut-être qu'ils vendaient quelque chose pour que ça glisse moins, là.
un petit garçon qui habitait à côté, les chats le terrifiaient. Mais c'était à plus de 10 ans. Il avait été attaqué par une panthère démoniaque. Quand il était tout petit, j'imagine que ça l'avait traumatisé. Pauvre petit garçon, personne n'aurait pu imaginer qu'une telle tragédie le ferait après seulement quelques années plus tard. Bonjour, mon jeune ami, vous êtes nouveau dans le village, un camarade d'Elena peut-être. Vous la trouverez sa jetée, ce que des enfants. Elle répète les mêmes choses. Elle est niveau CF, vous avez trouvé ma soeur, ça va. Blablabla. La jetée est un peu plus loin. Trouver la tente, j'ai déjà vu ça. Si je parle maintenant. On fait ce travail depuis des années. Bonjour, je viens juste de terminer ma prière. Regardez, vous vous présentez Mojo, c'est, il a tout dit ça déjà. Ressentez-vous l'amour et l'affection qu'il dégage. Il incarne comme personnage de bonté et de courage. Réfléchissez ici, mon frère, ne voyez-vous pas à quel point nos vies sont guidées par l'incertitude et la peur? Par notre passé écoulé, notre futur incertain, voyez-vous à quel point nos vies n'ont aucun sens de nos jours? Cet objet sacré investi dans un temps de prière nous protège et nous soutient. Est-ce qu'on peut le mettre en accéléré? Venez, mon frère, prie ensemble. Vous trouvez l'amour véritable et la paix. Bon, ça n'a pas l'air d'être dans ce village-là. Ah, c'est vrai, je le réalise. Pas possible, Turbo, vous êtes vraiment là? Merci pour votre soutien, poupée. J'espère que vous vous éclatez à notre concert de Magical Dreamers. Oui, évidemment, je serai au premier rang. Juste ça. Ouais, ça c'est là, faut que je vois, mais je sais pas comment faire pour rentrer. Thank you.
juste ça que je vois. Retournons à Galdov. Attends, qu'est-ce que quoi? Vous devez vraiment partir, oui. Heureusement. Je vais voir s'ils vendent des pantoufles. De, peut-être qu'il y a quelque chose qui vend des souliers pour que ça roule, là, que ça glisse moins. La map, on peut pas vraiment se promener dessus. Merde. On peut pas vraiment se promener dessus. Nous n'avons pas beaucoup de nouvelles de l'île principale ici, vu la période de l'année. J'imagine que le festival d'El Nino va bientôt commencer. Cette brise me rappelle des souvenirs. Vous venez du continent, mon garçon. Connaissez-vous le marais de Hybride? Il s'agit de la forêt du sud-est d'ici. Même si on l'appelle le marais de Hydre. L'Hydre, il n'y a plus d'Hydre là-bas. Tout le monde a quitté cette forêt après la disparition des Hydres. Tout comme moi. Cet endroit n'est plus adapté aux créatures vivantes maintenant. Ok. Il n'y a plus depuis très longtemps ici. Les commerçants disent même que l'eau de l'île Dragon est l'eau asséchée. Bon. Bienvenue. Pas grand, mais faites comme chez vous. Dans les chemins. Combien de fois il va falloir que je te dise de ne pas passer à le comptoir? Attendez, je ne vous connais pas. Vous êtes des clients, vous sortez d'ici, vous êtes... Non, je ne sors pas d'ici. Que je vais au marché. Marché, là. Ah, y a un magasin là aussi. Là. Voulez-vous un portrait? Non, merci.
fonctionne et donc le jeu est de trouver la trouver ici. Rachel, reviens-moi un peu plus. Quand ça suffit encore plomber mon petit commerce, je ne veux plus te voir. Compris. Allez, venez voir par vous-même. Je vends les objets rares que j'ai récupérés partout dans le monde. Et vous, achetez-les, vous ne le regretterez pas. Montre-moi-les. Ouais, qu'est-ce que t'as? On enseigne des matériaux, c'est pas ce jeu. Qu'est-ce que tu vends? Je me suis réveillé trop tard. Oh. Enfant béni, suis le cours de ta rivière et repose en paix. Et lorsque tu reviendras à ce monde, accueille ton père et ta mère avec un sourire joyeux. Venez lui faire vos derniers adieux. Pourquoi un enfant si gentil? Tout ce que je voulais, c'était partager mes moments avec toi quand tu étais grand. Pourquoi a-t-il fallu que tu nous quittes ainsi? Le bateau va suivre le courant maintenant. L'esprit de votre fils montera au ciel, le cœur rempli de joie. Tout ce qu'ils disent doit disparaître. La nature est ainsi faite, mais cela ne sert toujours le cœur. Pourquoi devons-nous affronter la mort? Et qui décide de l'heure de notre mort? Je n'ai pas encore trouvé les réponses, amigo. Cher étranger de passage, si vous avez quelques instants, priez pour cette âme égarée et aidez-le à trouver son chemin. Oui, maître. Je n'arrive pas à y croire. C'était un enfant si gentil. Naturellement, un humain qui n'existe pas dans ce monde. Peut-être dérives-tu de la frontière entre la vie et la mort. Tu es trop jeune pour rejoindre les ténèbres. Même si dans mon intérêt de t'aider, mon devoir est de veiller sur les esprits qui sont ici. Tu peux y aller, Gréco. Je resterai ici pour veiller sur la mausolée. Dans ma nature, tu es encore trop jeune pour endosser une telle responsabilité. Les esprits cherchent toujours les moyens d'attirer les vivants vers les ténèbres. Mais Guess, mon frère a réussi à te sauver des griffes des ténèbres. Il a donné sa vie pour t'aider. Je suis sa sœur. Ce n'est pas ce genre de mésaventure qui va me faire peur. Tu dois sauver ce garçon des ténèbres, Guess. Il aurait voulu, j'en suis sûr. Tu as sûrement raison. Je prendrai la façon de payer ma dette, c'était de vivre caché sous les restants de mes jours. Je comprends maintenant que j'essaierai juste d'échapper à mes responsabilités. Puis-je t'aider à échapper aux ténèbres, amigo? Oui. Rejoins. Fais quoi, rejoins votre équipe.
Que puis-je faire pour vous? Ah, c'est assigné! C'est pour ça que je peux pas remplir les personnes. Lapin crétin. Je suis allé dans la forêt des ombres pour ramasser des plantes sauvages, comme mon habitude. Croyez-moi si vous voulez. Oui, il parle des champignons. Et bien, ce que je pensais, il faut savoir que les champignons ne poussent qu'un jour d'année. C'est très rentable au cœur de la forêt, c'est un arc et un gros trou. Oui, tu m'as déjà tout dit ça. Maman dort, elle travaille dur tous les jours, c'est pour ça qu'elle est fatiguée. Je suis pas censé le savoir, mais papa ne reviendra jamais. Maman a dit qu'il était parti pour un long voyage en bateau. Si je n'étais pas aussi malade, je serais porté à sa recherche. Cocha, est-ce que tu pourrais prendre ton beau bateau et aller chercher mon papa un jour? Ah oui, bien sûr. Tu me promets? Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi des souliers. Elle dépose toujours de l'herbe dracone pour nous. Si on prépare une soupe, elle arrête presque instantanément n'importe quel tout. Je suis plus content d'avoir eu une réserve, mais je me demande qui les laisse ici. Je croyais que c'était Korcha qui laissait ça pour moi. Non, c'est pas moi. Qui alors? Aucune idée.
Oui, qui êtes-vous? Oh mère, ce sont des voyageurs de passage. Oh désolé, ma vie n'est plus ce qu'elle était. J'ai cru que mon petit-fils était revenu. C'était si gentil garçon, il était si gai, il adorait faire rire les gens. C'est pour ça qu'il est devenu clown au cirque. Ça, j'ai déjà tout lu ça. Et puis un jour, il n'avait plus reçu de lettres et jamais de nouvelles de lui. Ma mère attend son petit-fils revient à la maison et parle toujours de lui. Ça, j'ai déjà tout lu ça aussi. Kelly? C'est vraiment lui le clown, mais il est mort. Là, il faut qu'on retrouve ses parties de corps. On a trouvé deux parties jusqu'à date. Vraiment qu'il va se rappeler un jour. La musique, quoi, ouais, j'avoue. C'est plus que cornemuse. Bon, qu'est-ce que tu vends, toi? Bienvenue. C'est tant des casques. Ça, c'est un matériau appelé l'arc-en-ciel dont on peut faire l'objet magnifique. John, mon mari et moi étions partis en quête de matériaux, nous n'avons pas trouvé. Nous avons arrêté la recherche d'un carchené et on a déjà tout dit ça. Le sort des voleurs qui ont disparu dans l'obscurité. Si un héros comme moi avait été là, j'aurais évité de questa tragédie là. Waouh, c'est une histoire. Oh, c'est Korcha, je suis si heureux de vous rencontrer. Dites, monsieur Korcha, vous pourriez m'expliquer comment vous construisez votre bateau? Pourquoi? Il n'y a pas grand-chose à expliquer. À Galdov, on a tellement besoin de bateaux pour se déplacer qu'il y a plus de chantiers navals que de cordonniers. Puis qu'en plus, c'est pour que ça qu'on vous voit toujours à pieds nus. C'est pas vraiment pour ça. Kadjuma sont entrés dans le manoir du Seigneur Ovid. Ces voyous, qu'est-ce que ça? Ils pensaient tôt ou tard, ils essaieront de s'emparer de mon trésor. Maître Vincent est un homme bien malchanceux. C'est un artiste promis, un bel avenir. Tu m'as tout dit ça déjà, madame. Oh non, je croyais que le festival reste aussi d'être annulé. C'est peut-être que je regardais ce qui se passe depuis le balcon comme l'année dernière. Bon. Je voudrais des souliers, mais personne ne peut plus m'habiter. Moi qui a de gros souliers. C'est quelque chose. Est-ce
rapport à un Écosse. Non, ça marche pas. Je me demande, faut pas. Peut-être. Ça va, Caribou? T'as l'air plus toxique, les plantes ont dû muter. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis supposé me mettre un équipement que je le sais pas, moi, là. Lâche-moi! Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!